souhaiter président, mon président, parti président, et nous le considérons comme conseiller président, à dire par le référendum, le qualifié référendum de suicidaire, de bagaille qui est possible pour le fait, de bagaille liberticide, et des gros supporters de toujours de président, mon président, l'université, si on va citer Andy, ancien sénateur Gabriel Fortuné, ou jeune Lini Balthazar, qui c'était mon mandat, j'étais conseiller président, maintenant c'est toujours conseiller. Par aucun côté, on ne dit pas conseiller. Bonjour, on connaît conseiller président de l'UDH, président parti politique qui se pouvoir, donc parti président. Jean-Victoire Anacassis, ancien sénateur Jean-Victoire Anacassis, nous connaissons qui était en bas en bas, mais une discussion pour dire qui j'ai le café acteur politique qui veut se taper dialogue avec le président. Il même tout dit tout dans le Dubaï, référendum. Avant ça, il y a Binu, il même tout qui te dit, non, stade nous là, et bien bon, pas de large consensus autour de référendum. Le pas inclusif, c'est pas transparent. Et grand pays secteur. Il y a un déficit de transparence. Grand pays secteur, il dit, et qui parle là, nous parlons de l'OBINU. Comment au niveau du palais national, nous comprenons toute femme, ça, nous pouvons faire un domaine sur lui. Aïe, aïe, aïe. Je crois, dans ces œuvres, il faut ramasser l'ensemble de monde qui exprime. Alors, ça me dit, c'est que c'est la dynamique de l'histoire. Vous savez que moi, je me situe du côté de l'Haïti éternel. L'Haïti éternel, c'est tout ça m'a fait qui bon, nous fait avec le respect de la dignité humaine, le respect de sa moukoué de force de conviction. Et depuis quelque temps, je me suis engagé dans cette bataille. Et moi-même, toujours dit, le Duvalier aller monter dans la face, moi, nous connaissons à peu près ce cinquième année fondamentale dans le nouveau système. Non. Moi, mon fonds de mon pays, moi je suis de l'Antibonite, et tu gagné une production risicole dans l'Antibonite. Tu gagné la plaine de Gonaïves, tu gagné tout le bagage à marcher, tu gagné des pompes qui t'appellent ou des jardins, nous t'es gagné ODN, nous t'es gagné. L'armée d'Haïti, tu es là, tu as sécurisé le pays, nous t'es gagné la sécurité dans le pays. Après 86, à Jodia, merci de nous faire, et soi-disant, nous fait démocratie, nous avons ça. Donc maintenant, c'est vrai que ce qui va aller la liberté en termes de liberté politique, etc., a été persécuté. Ce que nous avons fait, c'était démocratiser Bagaïsaïe, tout ça pas bon. Mais c'est pas un pays à tout le pays, là, il y a des cauchemars. Moi-même, je suis mort avec Bagaïsaïe. Et c'est pourquoi que, depuis quelque temps, je me suis investi comme citoyen pour me parler avec mon Dieu. Parce que, je me dis, ma génération, pas moi, ma génération de l'autre monde, mais moi qui étais à l'école avec moi, pas en classe d'âge, mais qui était sur l'école primaire avec moi, pourquoi c'est moi seulement qui vais là? Donc, nous avons une responsabilité par rapport au pays. Ça que c'est force en élite, l'ordre de la série, c'est pas une élite, c'est une identité comme ça. Donc, maintenant, nous avons une responsabilité. Il faut mettre une mission historique. Qu'est-ce que je constate, moi, personnellement? Je constate que le pays a des problèmes. Avant moi, il y a des gens qui dit ça. Maintenant, nous avons un problème. Chaque fois que nous avons, dans l'immédiat, pour faire des choses stratégiques, nous sacrifions les stratégies pour l'immédiat. Le pays n'a pas marché comme ça. Nous ne pouvons pas venir faire pour faire un minimum. Constitution, on parle là. Tout le monde s'est cité là, et tout le monde constitution a des problèmes. Oui, pour l'on fait partie des élites, c'est vrai comment que vous-même, si vous ne pas comprendre, vous pouvez mis pas tout dans les rues, ou peut-être un peu pédagogique pour expliquer. Parce que qui gâte le monde qui compte, c'est pas parce que vous comptez, parce que vous voulez, parce que vous ne pas comprendre. Moi-même, j'ai constaté, pour avoir travaillé au Palais National depuis quelques années, j'ai vu les difficultés pour diriger le pays avec des textes au-delà des bonnes fois des hommes. Monsieur Doré, c'est déjà montré. Oui, excuse-moi, oui. Allez, à ce stade, le processus n'est pas suffisamment inclusif, participatif et transparent. La population nationale du projet de constitution exige l'engagement d'un éventail plus large des acteurs politiques, sociétaux, y compris les groupes de femmes et religieux de tout le pays. Comment est-ce ça, Romain, c'est Bouli, c'est Madame Alim, vous êtes écrit l'année dernière. Une seconde. Madame Alim, c'est une grosse sponsor qui a papillé la constitution. Là, pratiquement, nous avons besoin de commentaires sur ça et on dit ça, il y a. À ce stade, le processus n'est pas suffisamment inclusif. Participatif et transparent, la population nationale du projet exige. Voilà. Comment tu ça, s'il vous plaît? Alors, ça nous dit. Eh bien, justement, il faut travailler pour plus transparent, pour plus participatif. C'est ce que je vois que le CCI fait.
Il était dans le plateau central, il y a plusieurs semaines de ça. Il était dans le nord-ouest. Nous, pendant que nous sommes passés à la été Jérémy, il a expliqué. Il a expliqué. Mais mieux encore, frère Alain, il est assez parce que le texte qui est proposé au Benson, nous connaissons mieux que moi-même. Nous connaissons pas quel rapport qui était fait sous constitution depuis une quinzaine d'années déjà. Donc, le travail que c'est fait, hein, son travail qui est fait en forme de synthèse et l'ensemble des travaux, y compris des personnalités qui ont été consultées et des travaux qui ont été consultés. Donc, assez participatif, mais vrai pour continuer toujours. C'est pourquoi que ont son travail, ils ont laissé. Écoutez, ça, c'est pas la méthodologie. Regardez la méthodologie qui est suivie par le CCI. Tout travail humain, c'est une faiblesse. Okay. Ils ont fait un document, ils ont rendu public. Ils n'ont pas fait un rapport, c'est dans un projet. Il y a un peu de monde qui discute, il y a un peu de monde qui veut document par eux. Maintenant, quand il y a là, si tu as un qui a un texte là, qui a un file là-dedans, c'est normal. Parce que quand on va poster CI, c'est pour travail du journal. Monsieur Balthazar, qui m'a fait un peu de temps. Parce que nous avons un petit temps pour m'expliquer. Parce que ça fait quelques jours, m'a invité. Allez-y. Donc, maintenant, quand il y a là, le texte est envoyé, il y a un peu de monde qui gagne. Nous ne pouvons pas critiquer, c'est le son bagage du pays. Sinon, ce que l'on dit, document, tout le monde toujours connaît la constitution, il y a un problème. Nous, on doit dire, d'accord, off ça, qui c'est. Mais il y a des gens qui disent, son bagage liberticide. Donc, okay, d'accord. Si on dit liberticide, comme citoyen, vous faites partie des élites, eh bien, prenez votre stylo, rédigez, ou bien venez à la radio, qu'on ait fait des propositions, parce que nous, c'est sérieux, il y a plein de monde, pour améliorer les documents. C'est ce qu'on a besoin aujourd'hui. C'est la mobilisation de toutes les bonnes volontés, de toutes les énergies, pour son bagage du pays. Clairement, vous voulez jeter ça dans les médias. Maintenant, un commentaire. Écoutez, vous avez ça, il y a moi. Qui réactionne? Il n'y a pas le mal à ça, c'est quoi? Bon, on tire tout ce qu'il y a avant la prochaine question. Donc, on est intelligent. On a dit que, c'est normal, c'est pourquoi c'est série. Il y a fait travail pour participatif davantage, expliquer, etc. Mais comment, si on ne dit pas participatif, pour eux-mêmes. Alors, tout le monde, c'est normal, oubliez premier truc là. Vous mettez tout l'a dit au lendemain de la cérémonie de restitution des travaux. C'est l'offre de l'économie de travail participatif, monsieur Doué. Non, attends, je t'explique. Oui. Il y a plusieurs méthodes pour son travail. Mm-hmm. Il n'y a pas qu'il n'y a pas de participatif, il y a un peu de l'autre auditionné. Il n'y a pas de cas auditionné, tout le monde dans le pays. Il y a par exemple, hier, même d'exemple, bon, là, je crée le moins, j'y suis un B. Les monsieur et les mêmes, ils disent que c'est ça, ils disent que c'est ça, ils posent des questions, ils disent oui, non, qui est d'accord, mais ils ne réagissent pas à voir ça. Dans une société, Robinson, on fait toujours appel à un groupe pour faire un travail, et travail là, ils consultent, le groupe là, ils ont mandat pour consulter plusieurs mondes, le groupe, par exemple, le CCI, a consulté la base documentaire. La base documentaire, c'est que tu fais sous question constitution, le rapport de Caïctor, Claude Moïse, le rapport des États généraux sectoriels, côté toute population qui participe dans le paquet et forum dans la province, nous disons que ça ouvre le poste de constitution. Ils ont consulté le rapport non sanctionné par la Chambre des députés, que la commission de l'Utadio a tapé la dernière, regardez lui, et c'est ce que pense la nation, y compris des articles, non articles qui ont été écrits dans le ministre, qui ont été écrits dans le bas de jour. Et donc, sont les travaux de Moulin Maniga, les travaux de Dorval, etc. Maintenant, on a eu son premier draft par rapport à ça. Maintenant, on travaille, soumettre à la discussion. Il était auditionné dans le paquet de monde, qui vient pour eux avec des questions constitutionnelles. Mais ce n'est pas tout à l'heure qu'il y a des 17 témoins, il n'y a pas attendu, il va pas de temps pour faire ça. Il y a 4 jours de cela, vous nous avez dit au lendemain de ça, c'est sur la vidéo de la nouvelle constitution, le Bénin continue de suivre les progrès du processus de consultation, mais il est souligné à ce stade que ce processus-là n'est pas suffisamment inclusif, participatif, transparent. La population nationale du projet de constitution exige l'engagement de l'inventaire plus large des acteurs politiques, sociétaux, y compris le groupe de femmes irréligieux dans tout le pays. Vous dites que vous n'avez pas de parler à tout le monde dans le travail de consultation qui était fait. Déjà, le travail qui était fait, vous pouvez mettre un texte. Bon, c'est ça, vous dites, c'est ça le problème. Maintenant, par rapport à
Monsieur Mini Balgaz avait un là, qui est président de PHTK et qui est le président de Moïse, qui dit que le projet Salvadiala est liberticide et est autonome. Et PHTK va la voter, mais il y a une raison qui fait qu'il va la voter. Vous commentez en plus de ça, au cas de la question de la question de il faut une approche technique tout pour montrer que ONI a une possibilité, il n'y a pas de capacité pour distribuer 4 pour permettre pour mieux aller dans l'élection. Il y a besoin de 8 mois. Pour que ONI est arrivé à 8 millions de cartes et le niveau ONI a distribué 4 là. Sans nous rendre dans la technique, on va nous donner un séparé. On a un pouvoir qui dit travail, ça va, ni liberticide, ni autoritaire. Et c'est pas le tout, la première liberté et son bagage autoritaire. Comment est-ce que vous faites? Aïe, 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 aux bonnes zones. Bon, alors, ça me garde. Vous savez, vous savez. Vous savez, vous savez. Vous savez, allez, garçon, allez, on allez, maintenant, on va. Oui, vous savez, les droits de l'homme. Alors, ça y est, c'est là, oui, la dynamique de l'histoire. Le président de la République, il constate, en passant, le président de la République n'appartient pas à un parti, il est l'homme de la nation. Déjà, il faut faire la différence. C'est vrai qu'il a été élu sous la bannière de PHTK. Une fois que le Parlement, le Tribunal de Testament, il appartient à la nation. Mais c'est une bonne chose. Le parti que le président a été élu sous l'IA, là, font le bagage, il dit lui-même bagage. Donc, on voit, c'est qu'on accepte la contradiction. Et la contradiction, c'est avancer le débat. Donc, l'intervention de M. Balthazar, là, vous lisez le texte, même pas à côté de texte, il dit, c'est ça. Donc, il faudrait que M. Balthazar nous dise quels sont les articles d'après lui, d'après sa lecture et sa science, qui prouvent qu'il y a un aspect liberticide ou même attentatoire à la liberté. Au contraire, moi, qu'est-ce que je vois dans le texte? Le texte renforce les droits. Le texte rationalise les mécanismes de pouvoir de l'État. Le texte retire la justice sous greffe d'autorité politique. Le texte 87 là, qui jusqu'à présent. Ces collectivités territoriales, c'est des autorités politiques qui devraient nous juger, proposer. Et ce Parlement, autorité politique, je dis à l'idée, c'est pas concours pour entrer, c'est la paix et le pouvoir judiciaire qui a fait l'indépendance. Déjà, les révolutionnaires français, 1789, ils ont dit non, pays, côté constitution, qui, alors, côté droit, ils n'ont pas affirmé, c'est-à-dire, ils n'ont pas considéré pas, ou bien, pouvoir pas séparer par des constitutions. Donc là, ils font une séparation stricte. L'avant-projet du pays fait une séparation stricte et des pouvoirs. Le Parlement reste dans sa compétence de parlementaire. Le judiciaire, il aurait été dans la sphère par eux. Et l'exécutif reste dans la sphère par eux. Maintenant, ils disent un bagage qui est autoritaire. Alors, ce qui est proposé, c'est un régime présidentiel. Attends, j'explique, puisque par rapport à la question qui a été posée, c'est un régime présidentiel. Avant, on a eu. Régime, je dirais même confusion de pouvoir, régime d'assemblée, ou même pour juste semi-parlementaire, mais il n'y avait pas la contrepartie qui fait la force du régime parlementaire. C'est quoi la contrepartie qui fait la force du régime parlementaire? Dans un régime parlementaire, il y a la possibilité de dissolution qu'on offre à l'exécutif au cas où le Parlement ne marche pas. Là, on a fait quelque chose, et on pouvait quitter vraiment le ministre Boukadir du régime d'assemblée, parce que le Parlement était rentré dans le pouvoir exécutif. Le gouvernement était une menace du pouvoir exécutif, mais sans que les présidents ne soient pas discutés. Okay. Mais ce qui est proposé là, le président de la République exerce la plénitude du pouvoir législatif, le Parlement fait travail par lui, la justice fait travail par lui, chaque pouvoir est aussi le président exerce, ou dit le président exerce la plénitude du pouvoir législatif? Non, non, exécutif, je te dis. Ah, ok, ok, merci. Maintenant, quand on dit ça, vous rentrez là-dedans, vous êtes malheureux qu'un article. Vous avez un petit éclairage. Par exemple, l'article 129. Dans le projet 101. Vous êtes un taquineur, excellence. Un taquineur, on a pas de taquineur. Ok, pas de problème. Ok, d'accord. Le président de la République vit de l'immunité durant son mandat, sous réserve des procédures de destitution devant la Haute Cour de justice et des limites fixées dans la présente constitution. Le même article là, il dit. Aucune action ne peut être engagée contre le chef de l'État ou des actes liés à sa fonction en qualité de président de la République, même après la fin de son mandat. Alors, il y a trois principes. Ça clair. Attends, je vais te dire. Ça clair. À titre là,
y a trois principes qui évoquent dans l'article. Le premier paragraphe dit que le président de la République qui joue l'unité, bon, tout président de la République qui joue l'unité de fonction, avant que le président Macron gagne, le président de la République dominicaine gagne, c'est-à-dire que le président ne va pas arrêter, ne va pas mettre dans la prison, avant qu'on fasse un coup d'État. Par exemple, il y a des coups d'État qu'on a fait contre Jean-Bertrand Aristide, mais normalement, on ne fait pas sous l'arrêt des présidents. Ok? Donc, ils ont une unité de fonction. Pas arrêter, ni mettre en prison. Maintenant, ça, c'est ça, il dit dans ça. Il dit que, mais, sauf que si, autre justice, ça, justice là, ou alors, au niveau côté, il a parlé d'autre justice là, aucune de trahison, etc. Non, mais attends, attends. Pendant que ça, là, même article 139 là, en moins que ça en perd de confusion, aucune action ne peut être engagée. Attendez-moi, monsieur, faut pas faire ça. Allez-y. Même quand il finit de lever l'immunité du ministre, là, il dit aucune action ne peut être engagée contre le chef de l'État pour des actes liés à ses fonctions accomplies en qualité de président de la République. Maintenant, si le président est passé devant la haute cour de justice, pas devant la haute cour de justice qui devient une juridiction, tout ce que l'on entreprend par devant cette juridiction devient une action que l'on attend pour le président. Comment expliquer la confusion ça? Non, je t'explique. Pas une confusion, Benson. Ah, ok. Non, on m'a expliqué. Mais bon, je l'explique par rapport à toi, ça, parce que je me détendais dans l'autre radio avec. Alors, c'est toujours dans les cailles. Avec le sénateur Benoît. Et après, on a fait une émission, mais même personnellement, je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, tout le monde a compris. Après, je vais répondre par rapport à ce que je dis. Et parce que c'est une première lecture. Gagnez trois principes qui évoquaient au niveau de l'article 139. Le premier paragraphe, c'est l'inviolabilité du président de la République. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président, pendant la paix de ses mandats, il doit imiter ou pas arrêter, ou pas mettre de la prison. Sauf, comme vous dites, si votre justice là, t'as destitué, etc. Maintenant, deuxième paragraphe, ça lui parlait de l'irresponsabilité du président de la République par rapport à sa position d'aller comme fonction pour le faire. Par exemple, on parle de la Constitution, on n'a pas cette attribution que le chef de l'État. Si, par exemple, c'est M. Benson qui est président de la République, c'est lui qui doit accomplir ça. C'est la loi, c'est la loi même qui bat ça à comme fonction. On va quand même poursuivre pour ça. Parce que, par exemple, un bon exemple, c'est le président qui doit publier les lois votées par le Parlement au journal officiel des moniteurs pour le dire au milieu. Là, c'est AXA, lui a agi en qualité de président de la République. Parce que c'est en qualité de, lui choisi. C'est pas l'individu, c'était M. Geoffroy qui était là, lui a fait lui, il agit en qualité de. Donc, il est responsable par rapport à l'affaire. Ça veut dire, président, il y a une minute pour tout le bagage. Ça veut dire, on va pas poursuivre. Tout à l'heure, bon, m'expliquer à toi, venir. Troisième paragraphe, là, et parce que c'est une avancée en termes de démocratie. Lui, la responsabilité pénale du président de la République est fixée. C'est rarement dans l'histoire constitutionnelle d'Haïti. Non, autrement, il y a la responsabilité pénale du président n'est pas fixée. Attends, j'explique. Non, attends. Là, il faut qu'on lit le texte là, même après le texte là, on lit le texte là. La responsabilité pénale du président est fixée. Il dit que les actes du chef de l'État manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat et qui ne relèvent pas de l'exercice des fonctions présidentielles peuvent être poursuivis devant la juridiction du droit commun 2 mois après la fin de son mandat. On ne juge pas les actes de quelqu'un. On juge quelqu'un pour les actes commis dans l'exercice de sa fonction. Merci pour la pression. Maintenant, la deuxième de la disposition, ça, son perle, qui dit que et le cas poursuivi par devant des juridictions de droit commun 2 mois après la fin de son mandat. Oui. Alors, ça, qui fait. Alors, oui, bon, je vais expliquer. Peut-être que c'est CICA corrigé ça, comme on dit, c'est à tout monter, c'est la personne. Marie Bobé a reçu ça. Et par où seul dit ça, il y a plusieurs internautes dans l'échange de la personne qui fait ou pas que ça. Mais il faut voir l'idée qui est poursuivie, c'est que, un, il y a le premier paragraphe, c'est l'inviolabilité du président de la République, ou pas arrêter, ou pas mettre en prison pendant la victoire de ses mandats, à moins que beaucoup de justice soit situelle. Deuxièmement, c'est l'irresponsabilité du président de la République par rapport à ça, la loi Balvin. Par exemple, c'est le président qui nommé, le conseil des ministres, donc on va pas poursuivre le fait qu'il fait ça. C'est le président qui peut négocier la loi de ça avec les crimes et délits ou les actes définitivement qui préjudicent à la communauté. Il n'y a pas de liste, il n'y a pas de poursuivre le président.
tout à l'heure. Tout ça, il veut faire constitution, on dit pour le faire. Tout ça, constitution, on dit pour le faire, c'est attribution en qualité de le faire. Maintenant, tout ça, il fait pas entraînant attribution. Demain, là, on a déjà condamné, par exemple, corruption, délit, crime, délit, etc. Donc là, c'est responsabilité personnelle du secteur gagné. OK? Maintenant, quand il y a la yo, je vous parle pour nous après deux mois, faut qu'il se fait. N'oublie pas qu'on est dans un pays côté que la machinerie politicienne là, est forte. Donc, le fait que, par exemple, supposons que le président a acte corruption dans la deuxième année de mandat, le parquet est saisi rapidement. Ou est-ce qu'on dit rentrer dans la deuxième année de mandat, ou faire comme si Mdadou, même disposition dans l'article 29 là, qui dit que c'est pas devant la route cour de justice qui a poursuivi, ou au courant bien pour le texte là. L'article 237 qui dit que le n'y a pas 4 ans de président devant le cours de justice pendant la première année mandat là. C'est comme si dans la première année mandat là, le n'y a pas de l'offense qui... Je ne sais pas si c'est Robinson, parce qu'il y a quelqu'un qui explique ça tout. Bon, mais c'est pourquoi... Son micro-acte, son maire, mon fou, est comme si il y a de... Écoutez, Robinson, là, son bagage citoyen. Non, mais justement, la bonne service tout. Il y a des citoyens avant vous qui font relever. C'est un peu affreux, Robinson. C'est ça, monsieur. C'est pas comme vous. Que méthodologie moi ce sont des sociétés à ne pas critiquer à améliorer ça effectivement on peut toujours limiter le vocabulaire on va arrêter il n'a pas depuis le premier évidemment deux mois à deuxième mandat c'est des bagages pas le vocabulaire décider moi d'accord avec tout ça donc pour ça me plutôt quel esprit de bonne foi qui analyse mieux. Il faut un travail qui soumet à l'appréciation des citoyens. Et citoyens, ce n'est pas un travail qui a proposé. Alors, tu as parlé de méthodologie. Une série d'éminents juristes qui puisent de travail de grosses éminences, monsieur de Vauquier. Et puis, là, bon petit barrage, ça va vous dire que c'est un bon mandat. Bonjour. Oui, chef. Il faut que le travail intellectuel soit venu parfait. OK. Ça n'existe pas. Non, il n'y a pas Dieu sur terre. Maintenant, pour la critique, non, mais pour moi, ce qui est proposé, c'est que, un, dans l'article, il y a l'inviolabilité, il y a l'irresponsabilité et la responsabilité pénale. Maintenant, pour nous, là, oui, des citoyens qui ont toujours, ou des impairs, comme on dit là, ou des bagailles qui vont améliorer. Parce que la fondamentalité, il y a, mais je sais que c'est constamment, mais ça me met peut-être depuis quelques temps. Je fais quelque chose pour les pays. Moi, je suis à l'écoute des citoyens, et si ça veut dire ce bon sens, moi, c'est pas bien, nous, qui est intérêt pour la fondamentalité de notre pays, il y a dans tout le monde. Maintenant, où qu'a dit nous, ça, l'article 547 l'a dit, parce que là, nous, nous avons fait l'équilibre des pouvoirs. L'article 547 l'a dit, c'est une autre bagarre extraordinaire à Mali. Il dit que le président nommé par arrêté, que le conseil des ministres, le état-major, directeur général de la police, et ambassadeur, et ces choix sont soumis à l'examen de l'Assemblée nationale. Les nominations sont définitives si, dans un délai de 15 jours à partir de la réception de la proposition du président de la République, elles n'ont pas été examinées ou refusées. Non, ce qui est fait, c'est une majorité négative pour rejeter le choix. N'oublie pas que ces institutions, en fait, ces organismes, c'est des organismes, on l'a dit, qui contribuent à la sécurité nationale. On ne peut pas jouer avec la sécurité nationale. Il y a un effort de rationalisation qui est fait. Et moi, je pense qu'on doit aller plus loin dans l'effort de rationalisation. Donc, il faut tout limiter le temps du Parlement, pour, par exemple, nommer le chef de l'armée, le chef du renseignement, le chef de la police. Il faut bon temps pour limiter. Pourquoi ça me bat du président de Zine, c'est fini? Non, c'est une nomination. Puisque c'est une attribution de l'exécutif, ça, c'est pas tout exécutif. Là, nous dit que quelqu'un de ses fils qu'il va refuser d'en faire garder le territoire pour le président B. à Barbara. Non, pas un comme ça, Robinson. Qui j'avoue, mais comme ça l'écrit. C'est comme ça l'écrit, ou d'une barre comme ça. Ou bon régime présidentiel. Oui. Ça, là, tout ça, mais là, c'est parti de l'appareil exécutif. C'est l'appareil, ou pas un régime parlementaire, ou un régime présidentiel classique. Côté que chaque pouvoir est séparé. L'armée, la police, etc., c'est des organes qui relèvent du pouvoir exécutif. Donc, c'est vrai que pour le besoin de la démocratie, il faut qu'on gagne un vote parlement pour le pouvoir. On va séparer le monde de l'armée parce qu'il y a des provisions de la Constitution qui bat le président des pouvoirs réglementaires. Et le mécanisme qui bat la possibilité pour faire ça pendant 6 mois.
J'ai plus le temps de lire le texte, monsieur Doré. Ça va parler côté que vous parlez que le capteur ordonnance. Mais là encore, il faut parler m'autoriser ça. Si vous parlez m'autoriser, il n'y a pas qu'à faire. Deuxièmement, et pour le pouvoir réglementaire, la pouvoir réglementaire, là, c'est pour la bonne marche de la distanciation. Je vais vous donner un exemple. Si vous changez le ministère, par exemple, tu sais que vous connaissez plus déjà tout ça. Regardez l'architecture ministérielle qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire la configuration des ministères. Ça, là, c'est le but du value. Mais si on veut faire là-dedans, changer le ministère, changer nos lois, ou bien on veut réorganiser un bon ministère, un bon loi. Mais qu'est-ce qui est fait? Tout ce qui, les domaines de la loi ont été identifiés, tout ce qui relève de la liberté, tout ce qui relève du code du travail, tout ce qui relève du budget, la date finance, etc. Tout ce qui a un impact, on a dit, sur les citoyens, sur la vie nationale de façon là. Mais il a décidé pour Goubli. Non, attends. Juste... Même beau budget. Non, non, j'ai monsieur Doré, ma bonne texture de vin. Le texture de vin, son titre en un second. Même pour le budget, même pour le projet de budget, je vais chercher pour vous le texte. Oui. C'est l'article 123. Je vais chercher pour et pour vous nous attendez. L'exercice administratif commence le 1er octobre de chaque année et finit le 30 septembre de l'année suivante. Si l'Assemblée nationale n'a pas adopté le budget avant le début de l'exercice administratif, le texte initialement déposé au Parlement est mis en vigueur par décret pris en Conseil des ministres. Okay. C'est-à-dire, si je dis à madame le exemple, il y a introduction, par exemple, et j'aime moi une tendance faire là, la conseil de modification, introduction de taxes et ce qui est interdit. Dans la constitution de 1980-1987, introduction de taxes via un projet de budget et la même formulation, manifeste formulation, le texte introduit n'est pas un budget, ça s'appelle un projet de budget, donc là encore, c'est un bagage, c'est la donne, c'est j'ai l'architecture même fait là, l'Assemblée nationale qui t'a représenté pays, il va dire qu'il va au chapitre. S'il va décider, le 30 septembre, le président a avancé pour reposer. Expliquez-moi, s'il vous plaît. Et gagner une loi sur l'exécution, préparation et l'exécution des lois de finances qui votait avant, c'était un décret, c'était le décret de 2005. Qui dépend sur le gouvernement de transition. Mmh. Et pendant la transition, le président Pouvel a parlement transformé en loi. Texte établit un calendrier, on écrit beaucoup d'articles sur le budget, y compris économie et finance. Il établit un calendrier de la préparation. Élaboration et exécution des finances. Donc, elle veut commencer depuis le mois de janvier, jusqu'à ce qu'elle aboutit, jusqu'au mois de 30 jours plus tard, pour le gouvernement déposer devant le Parlement. Mmh. N'oublie pas que Robinson n'a pas passé plusieurs temps sans budget. C'est vrai que dans la constitution de 87, on a dit que si le budget n'avait pas voté, le budget de l'année dernière, il y aurait conduit. Mais on sait pertinemment, si on veut lutter contre la corruption, Robinson, si on veut lutter contre la corruption, si on a gagné le budget d'une année, par exemple, 2004, par exemple, 2010, on a gagné pour construire 5 l'école, Jérémy. Et puis, on finit construit l'école, pour y aller, budget pour 2011, d'un nouveau l'emballement, il va voter. Et puis, nous toujours gagnons même comme ça, qui toujours le même budget pour ce que l'école, les laisser garder pour le pays, il faut qu'il marche avec des mieux. Maintenant, cette balade au calendrier, comme la loi, dans ce parlement qui a voté la loi est en vigueur jusqu'à présent. Donc, n'oubliez, si l'exécutif a déposé le budget avant le 30 juin, jusqu'au 1er octobre. Faut parler de cette alors, même dans les pays, les États-Unis, pardonnez-moi, côté président, il y a des attributions pour utiliser des exécutifs ordinaires. On connaît et tout ça qui a rapport avec budget et congrès incontournable. C'est-à-dire parlement américain incontournable. Écoutez, moi-même, Bamzo, vous prenez au point, il est contournable à tel point que si pas gagné encore, c'est choc dans de l'administration. Non, mais est-ce qu'on peut faire ça, Maïs? On peut permettre ça dans notre pays pauvre? Non, écoutez. Qu'est-ce que ça veut dire dans notre pays pauvre si on peut se permettre ça? Moi, je dis toujours, il faut éviter des comparaisons avec les États-Unis.
Les États-Unis sont une démocratie à deux États. Les questions en rapport au budget, à la loi des finances, sont importantes, M. Doré. Non, pas du tout important. Ah, oui, c'est important. Robinson, pas fond par les citoyens là. Oui, on peut dire. Qu'est-ce qu'on recherche? On recherche l'efficacité. On voit le modèle américain. C'est vrai qu'il y a le blocage sur le Congrès ne vote pas. Mais c'est pour le gouvernement fédéral. Serait l'efficacité, c'est refus du check and balance. Non, du tout pas. C'est pas refus. C'est refus du check and balance, c'est-à-dire de pouvoir déléguer et contre-pouvoir qui doit assurer que le processus de prise de décision, en 20 secondes, le plus participatif que possible. C'est comme si Mbadou, et selon l'article 101, le palais national, le président et quelques de ses conseillers, et l'exécutif qui derrière le président, qui sont légalement responsables des actes, le président, c'est chef du gouvernement, et il y a des droits à l'intérieur du budget décidé, et pas dans quelle autre entité, même si tu fais ça, qui n'est pas pour faire contrebalancement de travail. C'est de ça n'a pas parlé, oui, monsieur Doré. Oui, répondez moi. Il y a dans l'article 147 que vous avez lu, il y a un effort de rationalisation. Il y a le temps pour agir. Non pas qu'à priver pays à les moyens, l'État ne peut pas se priver des moyens de l'action. Le budget, c'est un moyen d'action. Le texte est voté. D'ailleurs, on retourne en zone, on lit la loi. La loi de 2016 sur la préparation et l'exécution des lois finances. Il est établi un calendrier pour préparer le budget. Et même dans le calendrier, avant le gouvernement dépose le texte au Parlement au plus tard le 30 juin, il vient pour nous rencontrer avec la commission compétente du Parlement, notamment la commission de finances, pour elle, pour venir s'embarrer des ajustements dans le texte. Maintenant, le gouvernement lui dépose le texte le 30 juin. Entre le 30 juin et le 30 septembre, le Parlement, par votre texte, le gouvernement de classe, on ne peut pas priver l'État des moyens. Donc c'est un effort de rationalisation pour M. Kaji dans le temps. Et moi, bon, en Allemagne, comment ça se fait? Peu importe objection que l'Assemblée nationale de Maghreb, souligne. Non, il y a deux objections, il y a congé ensemble, mais non, le temps, bon temps pour agir. C'est le temps pour agir, pour rationaliser. Même en Allemagne, ou comme le proposent les Américains, parce qu'ils ont parlé, on me trouve sur les Américains encore. Les États-Unis sont une démocratie à deux étages. C'est vrai que dans la Constitution américaine, on a évoqué tout le temps qu'il y a 7 articles et 27 amendements. Mais aux États-Unis, il y a plus que 50 constitutions aux États-Unis. C'est une confédération. Ok, d'accord. Maintenant, en Allemagne, on va voir en Allemagne. Comment ça se fait en Allemagne? En Allemagne, quand le chancelier allemand, par exemple, madame la première ministre actuelle, lui voit un texte en Parlement. Si tous ces textes importants pour la nation, la loi de finances, et les lois sur la sécurité, etc. Le Parlement a un temps pour voter sur lui. Mais on limite le travail ça dans le temps pour certains textes, parce qu'il faut rationaliser. Au cas où nos bagages du pays à bloquer. Donc, ce n'est pas tout vrai. Le Parlement a un temps pour agir. Donc, on voit, l'État est important. On voit, l'État est important. Ce n'est pas un métier pour éducatif. D'ailleurs, le travail là, dans la loi sur les parents sur l'exécution de finances, depuis janvier, le gouvernement supposé commencer à faire un mécanisme. Qu'est-ce que ça article 57 là dit? Ça fait deux articles. Pour paquet de nominations, chef la police, BNC, ambassadeur, consul, et chef l'âme, etc. Je dis, si vous n'avez pas examiné, vous ne considérez que vous là. Pour le budget, si vous n'avez pas fait là, le président décide de bio. Maintenant, nous allons parler de rééquilibrage de pouvoir. Maintenant, nous allons parler de rééquilibrage de pouvoir. On va aller là parce que nous avons deux derniers points, mais. Fondé quand vous mettez la demi pour mettre tout incongruité à vous. Maintenant, bon, l'autre perle. Vous nous dites, ministre, il est responsable de actes que le président contre signé et il dit tout que par exemple, et action qu'a fait, il est responsable de actes que il contre signé avec le président. Maintenant, toute l'architecture. Tout côté qui est le principe fondamental qui est rapport à la reddition de compte et l'imputabilité, texte là, joué, mais si l'étude PAM, avec toute limite que nous avons gagné, M. Doré, si l'étude PAM de citoyens mais soumis, texte là assume que l'imputabilité et sanction, reddition de compte, des plus difficiles que possible, si ce n'est pas un genre de fait, le mari, il ne peut pas même comprendre. Maintenant, nous disons par exemple, et bonne première année, président,
nous avons des devant la Cour de justice. Les mouvements, j'en ai dit, c'est deux mois seulement après pour Zach qui t'a commetté et qui t'a poursuivi. Mais dans nous disons, les actes, nous disons maintenant, on se d'accord là que bagaille ça a fait une formule. Et il y a qui dit clairement, la formulation, ça a été un accident. C'est encore un fond bagaille qui dit loin, Non, nous n'avons pas de droit interprété. Alors que nous connaissons très bien que loyer. Je peux formuler sujet, verbe, complément. C'est des énoncés d'une façon plus claire, je m'en que possible. Maintenant, nous allons finir l'émission. Mon Dieu dit bagaille ça, contrairement à ce président Moïse dit que la Constitution va devenir cette nation pacte pour la corruption, il dit nous ça. Si nous bagaille nous fait pour nous, et si tu as impunité, son vrai pacte de corruption et rééquilibrage du pouvoir qui a consacré au régime autoritaire et liberticide, je vous demande sur ça pour nous finir. Merci. Non, c'est pas vrai, Robinson. Même chose. Ce qui est fait dans le texte. C'est votre texte, mais vous montrez ça. Et institutions de contrôle, c'est sur le cœur de leur métier. Par exemple, pour une lutte contre la corruption, c'est pour la première fois, on juge rapidement qu'à saisir. Ben, vous voyez ce qui était fait. Et pour les autorités politiques, etc., ils étaient cachés devant la justice politique et la haute justice. Généralement, on sait pertinemment quand ils pouvaient manœuvrer, ils ne pas mettre en place. Aujourd'hui, la Haute Cour de justice a été rationalisée, la Haute Cour de justice a été fixée sur le cœur de son métier qui est des métiers de jugement politique. Par exemple, la crime de haute trahison. Maintenant, le crime de haute trahison a été identifié donc, comme élément politique, entre l'intelligence avec l'ennemi, jouer les constitutions, ou bien pour 20 secondes de défense pays, c'est le crime de haute justice. Maintenant, si vous êtes ministre, secrétaire d'État, pas connaît, président de la République, ou le cas de corruption, ou c'est la justice ordinaire, capable de couvrir ces bagarres les plus rapides. Maintenant, pour la Cour des comptes. La Cour des comptes, dont séparation faite par la Cour des comptes. Et pas qu'elle, on va saisir le cas. Mais oui, mais le parquet. C'est le parquet. Mais écoutez, cela dit commissaire gouvernement. Non, écoutez, comme je dis. Ah non, vous dites, mais écoutez, vous comptez des commissaires gouvernement pour suivre le chef ici déjà ou non? Non, mais c'est contre un il est là pour protéger la société. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça déjà? Non, mais la justice, le travail qui fait notre examen, me dit ça. Est-ce que vous n'avez pas été ici pour suivre le chef en fonction déjà? Non, mais il y a la constitution actuellement. Ah, ok, d'accord. Maintenant, quand il y a la Cour des comptes, la Cour des comptes qui séparée, une seconde juridiction financière qui séparait de la juridiction administrative. Maintenant, on peut beaucoup de comptes dans sa dimension de juridiction financière. Maintenant, la Cour des comptes, contrairement à l'autre, si j'ai un problème, rapidement, je dois diligenter une enquête, de la enquête du contrôle sur les dépenses publiques, etc. Il saisit la justice pour poursuivre maintenant. Il ne va pas être comme une procédure longue. Maintenant, ce qui est fait dans le budget, mais il y a encore Benson, nous avons lu le texte. Vous voyez que ça a été acté, puisque dans la loi de finances de 2016, c'est parlé de budget programme. Le budget programme, je dis là, si on construit 25 écoles sous tout le pays, c'est sous 3 ans, nous avons un budget pluriannuel. Okay. Le Parlement vote le texte, musique indépendante. Parce que c'est un comité consultatif comme même, mais moi-même, je suis intéressé à cette question parce que c'est une question qui est d'intérêt national. Moi, j'ai vu les difficultés et également le CCI propose un document à la critique puisque la construction elle-même m'interroge, ma petite base a depuis une vingtaine d'années, c'est la chose qui est dans le texte, donc on ne va pas participer dans le débat. Et là, moi, j'ai participé au débat. Moi-même, je me réserve sur ce texte. Par exemple, je me réserve sur le premier. Pour le Sénat de la République qui parle là, je crois que si vous voulez le Sénat, il faut qu'on rationalise. Parce que le problème qu'il y a, c'est que le Sénat gagne, c'est le même corps électoral avec le corps de la Chambre des députés. Mais le moins d'ici à venir avec le Sénat, faudrait-il que le Sénat lui du mon mieux et de moi nous permettre. Et on l'autre catégorie qui sortit dans la société civile, les organisations. Donc, il y a possibilité pour parler de la réserve de l'Union européenne. Mais même dans tout. C'est un débat, attendez, nous concluons. Mais nous faisons exercice de fond avant, parce que pour un pays où nous avons un exercice de fond inconstitutionnel. Et nous avons quel moment nous avons fait ça. Ça ne va pas relever ça parce que nous avons une position déjà. Et nous avons une position déjà. Vous connaissez, nous avons tout pour reconnaître. Nous disons déjà ici, à toujours ça. Il y a un prétexte, tata, confisquer la souveraineté populaire. Vous savez, il y a deux types de souveraineté.
la souveraineté nationale et la souveraineté populaire. Donc, la souveraineté populaire, aucun texte pas qu'à confisquer. Le droit est prescriptif et inaliénable. Personne ne veut dire que c'est une constitution. Si je regarde cette loi, je ne vais pas parler de aucun texte. Je ne vais pas parler de la décision. Quelle est la façon de venir? Merci beaucoup. Au plaisir, merci, vous avez un bon moment. Bonne journée. Au revoir, monsieur Doué.